Aboubacar Vincent figure dans l'équipe type de la 32e journée de la Super League turque. Il a tout massacré sur son chemin. Pendant les 12 derniers matchs, Aboubacar Vincent a inscrit 8 buts. Et lors du derby, le week-end dernier contre Galatasaray, de Sacha Boyce, Aboubacar Vincent était encore auteur d'un but. Il faut dire, Sacha Boyce, c'est l'international camerounais qui est également binational français, qui a fait une sortie manquée dernièrement en disant comment, en essençant l'équipe des Bleus, en disant que toutes ses prières résument à voir que Didier Deschamps comme ça le convoque, mais tout de même que son plan B reste le Cameroun. Il faut dire, Aboubacar Vincent, malheureusement, à plus de 30 ans, n'a jamais été ballon d'or africain et beaucoup lui pressentit que si jamais le Cameroun arrivait à battre et remporter la 6e étoile lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer en 2024, alors on peut espérer qu'Aboubacar pourrait être ballon d'or africain. Mais en attendant, il doit falloir résoudre l'équation de l'indiscipline qui est dans la tanière, de la crise de gestion de management et de d'autres difficultés qui émaillent les Samuel Eto'o. Parlant de Samuel Eto'o, le président de l'instance fêtière du football camerounais a récemment reçu son ex-vice-capitaine, Ayon Takan. Un nom, Ayon Takan. Bon, on se rappelle de 2008 jusqu'à près de 2014, où Samuel Eto'o, ça comme ça, là, régnait pratiquement, hein, en maître dans la tanière. Effectivement, pendant toute cette période, là, c'était avec Eno Ayon. Et lors de cette visite, ils étaient accompagnés par M. Tony Oban, qui était révélé il y a cela presque une décennie comme jeune entrepreneur de l'année. Il a gagné les prix lorsque le président de la République, M. Paul Biya, invite les Camerounais dans les années 2011 à retourner dans les champs et faire l'agriculture. Eh bien, Tony Obam fait partie de ces jeunes-là qui est reparti dans son sud natal et a injecté là des plantations de cacao et de bananes plantains. Aujourd'hui, il officie comme président national de la filiale Bananes Plantains et au mois de novembre prochain, ils sont en train d'envisager avoir un sommet national dans le sud-ouest du Cameroun, certainement à Boya, parce que lors de leur dernier meeting de préparation avec le ministre de l'Agriculture, ils étaient bel et bien d'abord à Yaoundé, puis à Bouya. Et en novembre également, ils sont en train de préparer un match de gala qui se jouera entre les anciennes gloires des Lions Indomptables et celles du Nigeria. Et donc, on peut donc comprendre les motivations qui les ont poussés à rendre visite à Samuel Eto'o. Dans le tour de Tinga, fait également, pendant la discussion, ils ont également parlé de la possibilité de réinsérer les anciens gloires dans les différentes étapes maillons de cette filiale Banane Plantain. Unis pour la victoire, jeudi prochain à partir de 17h, les Lions Indomptables vont certainement jouer soit contre le Mali ou alors les Burkinabés, comptant pour leur premier match. On se rappelle que il devait jouer hier, lundi, le 1er mai, mais le Sud-Soudan a été disqualifié. Et donc, nous vous invitons à envoyer les ondes positives pour ces bébés lions qui sont très attendus lors de ce premier match-là, à montrer l'exemple. On se rappelle la fierté qu'on avait dans cette communauté lorsque les A-Primes ont battu Congo lors de leur premier match à la CHAN. Eh bien, nous étions très contents à cette époque-là. Malheureusement, lors de leur deuxième match qui devait le qualifier, ils n'avaient besoin que d'un match nul pour pouvoir se qualifier au deuxième tour. Eh bien, le Niger les a comme ça éliminés avec score minimal d'un but à zéro. Et après cela, s'est suivi une avalanche de déceptions. Nos joueuses, leurs grandes sœurs ont comme ça là failli à leur devoir de qualifier les Lyon pour la troisième fois à la phase finale de la Coupe du Monde féminine. C'était en Nouvelle-Zélande, à Auckland. Ils ont pêché face à une équipe très déterminée,
du Portugal. Et c'est comme ça que les Lions, les coéquipiers de Tchoud Adjara, sont rentrés. Et pas plus loin que ça, on a eu tout récemment, lors de la double journée qualificative pour la Coupe d'Afrique des Nations U23 et les Jeux Olympiques de 2024. Nos Lions, nos espoirs, n'ont pas pu se qualifier. Ils ont perdu d'abord au Gabon face aux Gabonais et puis ici à Fandenan, dans nos propres installations, ils n'ont pas pu relever le niveau. Et c'est comme ça qu'ils ont perdu ces chances-là. La grande déception, c'était leur grand frère, les Fagnons, qui ont perdu face à la Namibie au match retour après avoir concédé un match nul à domicile. Donc, les résultats ne sont pas bons en ce qui est les différentes sélections des Lions Indomptables. Et tous les espoirs sont donc briqués sur les bébés Lions pour voir que finalement, qu'ils nous donnent quelque chose à sourire. Et cela dépendra certainement de Serge Mimbo et ses poulains, de véritablement représenter le vert rouge et jaune, de faire vibrer les couleurs du pays de Roger Milla, de Samuel Eto'o et très prochainement selon les tendances d'Aboubacar Vincent. Voilà qui met un terme à ce numéro de Foufou Foot avec Meilleur Cyril. Pour ceux de la communauté anglophone, nous vous avons promis que chaque fois, nous allons faire un résumé en anglais. So, starting this edition, talking about Indomitable Lion, Aboubacar Vincent, who for the first time since he arrived in Turkey, he is present among the top 11 for the 32nd day of the Turkish Super League. We know for his last 12 encounters, he has scored 8 goals and he is actually doing well. He played against another Indomitable Lion, who unfortunately has not represented his country, Sacha Boyce, despite having promised to coach Rigo Besson that he was to do so, and later had a V-turn by showing his interest for Les Bleus, the French team. Besides that, we recently saw in pictures Eno Takan Eyon with the president of FECAFOOT, Samuel Eto'o, together with Tony Obam, talking about a gala match come November 2023 as they plan to celebrate the banana planting project in Cameroon. Tony Obam was already in Boyaz a few months ago to launch this project, and they are planning to have a giant summit in November. The former Indomitable Lions will be playing their counterparts of Nigeria, and during that meeting, Eno Eyon equally did mention about the possibility of ex-footballer who have played in local league, or in short, those who have practiced football, to be inserted in the, to find job, let us put it that way, in the banana planting domain. So that is the resume of their discussion. As for the under 17 Lions who are presently in Algeria, they missed their first encounter yesterday, Monday, against South Sudan because this letter were disqualified for issues. They are now preparing to play on Thursday by 5 p.m. against either Mali or Burkina Faso. Just to make known that the last encounter of Group C saw Mali win 1-0 against Burkina Faso, and the man of the match was no other person than Malian goalkeeper. That's how we see it for this other edition of Food with Mayor Cyril. Catch you next for another edition. Until then, whatever happened, keep smiling. Ciao. Bye-bye.